Oui, donc, restriction, vous faites un petit peu ce que vous voulez à ce niveau aussi. Hein. Pardon, loisir. Pour le moment, je les laisse en loisir. Pour le moment. Donc, l'énergie, on n'a pas de problème à ce niveau-ci. Où j'ai peur, ce sera. Ok, repos. Environnement très déplaisant, on s'en doutait. Ce n'est pas très important. Pourquoi l'environnement est déplaisant? Parce qu'on a un moins 16 ici, moins 24 et moins 51 à cause du cadavre. Mais bon, là, j'ai pas trop le choix. Vous n'allez pas de toute façon rester ici, normalement, les gars. Donc, 22 degrés. Là, 44 degrés. Je voudrais que tu me fasses ceci, Sleepy. 24, 68. On a assez. Ouais, bien là. Alors, il nous en reste 46 plus rien du tout. Donc on va miner ici, comme ça on n'est pas obligé d'aller trop loin. Il me reste un composant. Ici, il me faut pas de composant, mais il me faudra que de l'acier. Toi, tu vas pas me faire de relaxation maintenant, mec, tu vas venir apporter ça. Tu vas me finir le mur d'abord. Tu vas me finir celui-là aussi. Et puis maintenant, tu vas pas jouer au fer à cheval. Tu vas apporter ceci. Ensuite, tu vas apporter ceci. Est-ce que tu peux? Est-ce que tu es en bonne santé? Tu es en parfaite santé. Alors, c'est pas comme ça que tu vas travailler, mec. Tu vas 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Toi, 92%, on n'y est pas encore. Tout à fait. Je voudrais avoir les débris de vaisseau et j'ai encore besoin de faire ceci. Donc, Grizzly. Démolis. Ensuite, tu démolis. Voilà. On va déjà faire ça. Ça fait du bien, mais qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir suffisamment ici. Donc là, il fait toujours 23 degrés, là 42 degrés. On va descendre à tout petit peu à 17 degrés pour essayer de refroidir un petit peu plus la salle d'à côté. Où es-tu, Grizzly? Grizzly, tu as bientôt terminé ceci. Ok. Tu vas transporter. Tu me prends tout, hein. Tu n'en as que 33, donc tu priorises. Tu en as 67, c'est bon.
avec ça. Il t'en faut que 67, donc Grizzly, tu arrêtes ceci. Tu vas manger... Non, pas tout de suite, tu vas d'abord apporter ça. Ce qui est bien, c'est qu'il résonne dans la porte. Donc il ne réveille pas les gens. Iguane s'est laissé apprivoiser. Bon. Mais comme ça, je ne dois pas le nourrir, déjà. Alors, on n'a plus rien. Animaux. Donc, l'iguane qui est ici, pas de chance, il n'a plus rien à bouffer, bien entendu. On va lui créer une zone. On va lui créer une zone. Alors, gérer les zones. Animaux. On va inverser. Pas vraiment. Il va quand même de toute façon crever, lui. Hein. Il n'y a plus rien à bouffer, à mon avis. Non. Nouvelle zone. Animaux. Est-ce qu'il y a de l'herbe autre part? Alors, bon, la vie, il n'y en a plus du tout, ils ont déjà tout bouffé. Combien ça bouffe un iguane? Combien ça bouffe un iguane? Alors, on va, pour le moment, créer ta zone ici. Mais c'est pour le moment. Ensuite, on va créer une nouvelle zone de agricole. C'est ici à peu près, ouais, comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? On pourrait mettre déjà du pissenlit. Ou bien autre chose. Problème du chauve, c'est qu'il va... Il a une addiction de merde. Ça, c'est sûr. Bon, il me reste trop de métal. On va attendre qu'il soit à 100%. Bon, faut que t'ailles manger. Et toi aussi, on va déjà te faire manger. Grizzly, tu vas pas manger tout de suite. Tu vas finir ça d'abord. Et toi, avant de manger, tu vas me faire ceci. Voilà. Chauve, tu peux jouer au fer à cheval. Ok. Toi, t'es parti manger, c'est parfait. Parfait. Grizzly, t'as mangé.
Alors, qu'est-ce qu'on va mettre ici-dedans? Nous avons encore 20, 30, 40, 48 rations de vie. 48 rations de vie. Ça, c'était quoi, ça? C'était un câble électrique que je n'avais pas besoin pour l'instant. Donc, on va le démolir. C'est pour ça qu'on avait moins 16. T'as fini de manger. Tu vas également tu vas me faire ça. Et on va mettre une chaise. En métal ici. Quelle température fait-il maintenant ici? 40 degrés. Toi, tu es parti faire quoi? Manger ration de survie, c'est parfait. Ok. Toi, tu es parti ranger des trucs et tu es parti en chercher d'autres. Toi, tu fais de la relaxation sociale, je voudrais plutôt que tu me fasses le truc ici. Alors, démence mineure, c'est toujours le chauve. Tu me fais quoi? Ah ouais, tu me fais des patates. Tu me fais des patates. Donc, les animaux, je vais faire ma zone. On va le laisser mourir de faim, tout simplement. Architecte, la zone étant une zone autorisée, animaux. Alors on va te mettre, t'as pas besoin de te mettre plus loin qu'ici, on va te laisser mourir ici tout simplement. Et on va surtout supprimer la zone animaux d'ici. Voilà. Chauve, tu es nul en agriculture, mais tu es tout à fait capable de faire pousser des patates. On peut. Ou bien tu vas. Mais on va parce qu'on va finir d'abord la chaise. Ouais. On va d'abord finir la chaise, comme ça. Tu me fais quoi? Ah, il y a le feu déjà. Ok, on va positionner la base. Donc on va ajouter de la base ici dedans pour le moment. J'ai pas trop autrement, j'ai pas trop le choix. Là. Et on va également faire ceci. Et ceci. Voilà. Alors, j'ai besoin d'ajouter en énergie un câble ici. Ok, et ben tu es parti construire à toi, ça me convient également. Tu vas me faire un petit bidule là, tu es parti chercher ce ménage jaune, tu vas venir terminer, tu vas me faire ça. Pourquoi pas? Oui, ça a marché. Toi, tu vas faire ton petit train, ok, ton petit train-train. Alors, on va quand même bien te surveiller. Insolation. Ok, tu rentres, ok, tu te reposes un peu. Voilà, 7-9, hein, on la voit descendre. Tu as fini. Bien, tes relaxations sont parfaites. On va te positionner maintenant en recherche. Donc, tu vas me faire de la recherche tout de suite.
et on va te mettre en 2. Voilà. Tu vas aller en 2. Tu vas venir. Ne peut pas. La recherche est une tâche de longue durée. On va d'abord faire une recherche en cours. C'est la batterie. Donc, si tu es en 2, Jean le Chauve. Il va faire peut-être un peu chaud. Pourquoi tu ne peux pas venir? Voilà, tu te mets tout seul, voilà, c'est parfait. Alors, comment ça marche? 48% parce que on n'est pas dans la bonne température. La salle est sale. Ok. Mais je n'ai pas beaucoup envie de gaspiller 3 composants, voire. Pour ça. Mais on ne va jamais y arriver autrement. Alors, là, nous sommes à 19 degrés. Si nous ouvrons la porte ici, comment est-ce que ça va fonctionner? 43, 30 degrés. Grizzly, tu es occupé de dormir, tu vas prendre chaud si tu fais ça. Libellule, tu démontes les débris de vaisseau. C'est parfait. Donc là, on descend à 42. Ça semble fonctionner à 42 degrés. Malheureusement, lui, il va dormir dans le chaud. Ça, c'est le problème. Ok. Et ça va pourrir dans un jour. Ah. Trois composants pour cette saloperie-là. Mais je ne compte pas rester ici dedans. Est-ce que je peux te remplacer et tout, en fait? Oui, je peux te désinstaller. Donc, on va commencer à creuser à l'intérieur. Ça, c'est. On va un peu te laisser tranquille. Est-ce que maintenant, on est à une bonne zone de température avec notre. Toujours la mauvaise. Bon. Comment va-t-on faire ça hors de l'intervalle de température, tu ne pousses pas. Dans tous les cas, tu ne pousses pas. On s'en serait douté de toute façon. On va créer notre zone ici. Dans laquelle on va mettre du coton. Dans le coton. Et on va créer une autre zone. Une zone agricole.
et une autre zone. Ça, c'est du coton, ça, c'est des pommes de terre, ça, c'est de la racine de vie. Je suis pas certain que j'ai quelqu'un qui puisse me faire de la racine de vie. 8,61. Et ici, il me faudra racine de vie 8. Ok, ça sera pour Grizzly. Ok. Donc, on va avoir besoin d'un deuxième refroidisseur. On va mettre ce refroidisseur ici. Comme ceci. Et donc on va ici enlever le toit. Ici. Donc on aura la chaleur qui va sortir dans ces deux endroits-ci. Ben, malheureusement, j'ai pas trop le choix. Supprimer une zone ici. Voilà. Bon, pour le moment, on va tant que je n'ai pas les trois composants, libellule, tu me finis ça. Stop, tu me fais quoi? Tu vas supprimer un toit. Pas tout de suite. Je veux d'abord que tu viennes démolir ici. Voilà. On va faire comme ça. Ouais. Misli, tu te reposes encore un peu. C'est bien. Le chauffe, tu continues à travailler, mais ça devient un petit peu juste. Donc, Grizzly, qu'est-ce que tu vas me faire? J'ai moi besoin maintenant de recréer une zone de stockage. On va mettre ici une zone de stockage avec des morceaux. Pas de cadavre. Pardon, on efface tout, on remet. Les produits bruts. Alors, nous avons besoin des composants et nous avons besoin de l'acier. Voilà. Ça, le fusil d'assaut 99. Pour le moment, c'est bon. Ces trucs-là vont venir à l'intérieur aussi. Ça, c'est quoi? C'est un sol rocailleux. Ouais, c'est un peu sale encore ici, hein, ce qui me fait diminuer mon truc.
Jean, est-ce que tu peux nettoyer? Tu peux pas nettoyer, hein, toi? Tu ne peux pas nettoyer. Donc pour le moment, là on perd du temps. Donc tu vas. Pourquoi tu as une insolation encore, toi? Ouais. Pardon. On va ramener dans la zone ici. Mais tout effacer, je veux que des fringues. Voilà, ça sera important parce qu'on va les vendre, hein, ces petits trucs-là. Donc tu vas faire ça. Tu vas. Non, chauffe, tu vas d'abord faire tes petits trucs. Ouais, on va faire tes petits trucs. On va faire le second. Et ensuite, tu vas enlever le toit. Ok, ça y est, ça commence à 180 watts. Degrés. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Ah, quelle température! Le 36. Bon, viens déjà de prendre ça, toi. Ah, j'en étais à peu près certain qu'on allait se faire avoir. Hein. Bah, reste un peu là. Je vois pas très bien comment on va pouvoir s'en sortir. On va laisser faire. Pour le moment, on n'a pas trop le choix. Tu fais quoi? Tu vas réparer un câble électrique. Et tu vas semer du goton. Ouais. Sauf que pour le moment, je vais. Quelle heure, combien il fait? 61 degrés. Et on s'est pris un zit. Ok. Et ici, on est à 92 et 92, bien entendu. Libellule. Ben, libellule, tu vas venir ici, ma biche. Ou plutôt, tu vas venir ici. Alors, tu vas miner l'ardoise. Une fois que tu as fini. Viens faire ça. Ok, tu vas maintenant me construire une copie de ceci que tu vas positionner ici. Je n'ai plus de toit normalement ici. Hein. Là, il doit être marqué à ciel ouvert 2. Donc, tu viens vite ici.
Parfait. Ensuite, oh, le chauve est dit bellule, mais à mon avis, on verra. Le chauve est dit bellule. Eh ben, dis donc. En plus, un libellule, on aurait plutôt dû l'appeler cougar. Parce que le chauve, il a 31 ans, et elle en a 56. Ben, dis donc. On va un petit peu regarder notre toit. Alors, le toit, j'ai un trou là et j'ai un trou là, ce qui est tout à fait logique. Et donc, libellule est parti chercher un petit peu de tout ce qu'il me faut. Toit. Ok, elle est partie chercher tout. Bon, 54 degrés malheureusement, ben, on n'a pas trop le choix, on ne sait pas y faire grand chose. 92 degrés. Chauve, tu m'as fait quoi là? Tu es parti manger une ration, oui. Et toi, Grizzly, tu me fais quoi? Tu fais de la relaxation sociale, mais je ne veux pas que tu me la fasses là. Je veux que tu me fasses... Ah. Eh bien, on va réinstaller ça pour l'instant ici. Comme ça. Chauffe. Ici. On fait. Ah, chiotte. Ah. Ah. Addiction au wake-up. Sevrage 56%. Insolation, oui. Respiration. Grizzly, t'as fini de manger. Le chauve médical. Grizzly. Secourir le chauve. Relaxation sociale, non. Pour l'instant, tu ne vas pas me faire ça. Tu vas me apporter la chaise là-bas. Comme ça, tout le monde peut manger à son aise. Libellule est parti chercher des composants, je suppose. Pas obligatoirement. Attends, ma trempe là-bas, ma chérie. Tu vas me faire quoi? Ah ouais, t'en as 12, là. Ok, on va te laisser t'amuser. Grizzly, tu vas... Tu vas. Tu vas aller chercher les composants. Tu vas aller me chercher les composants. Un. Deux. Le chauve, est-ce que tu as besoin d'être soigné? Tu as un asthme? Ah ouais, tu te prends de l'asthme aussi. Insolation mineure. 318 et 318, ça va. On n'est pas encore tout à fait mort. Ok, tu manges. Non, tu manges pas. Tu me fais quoi? Tu vas chercher de l'acier. Toi, tu es parti chercher composants. Tu vas chercher les composants, ok, ben tu vas chercher les composants, ça va. Bon, le chauve. Quelle est la température là-dedans? 58 degrés.
vas me finir ceci. Ok, qu'est-ce qui reste? 88 sur 90. Grisly. On va y arriver. On va y arriver petit à petit. Aurore polaire. Ouais. C'est bien joli. Stop. Tu vas laisser faire ça. Tu vas me faire quoi? Tu vas venir plutôt ici. Voilà. Et tu regardes. Il fait combien de degrés dehors? 48, ça va. On voit ici qui me regarde l'aurore polaire. Tu veux pas? Non, t'as pas envie. C'est pas grave. Tu vas aller me chercher. Qu'est-ce qui traîne encore? Viens me chercher tout ça, mec. Santé. Viens ici. Ouais. Et ben, tu vas terminer ce truc-là, qu'on puisse enfin que le toit soit fermé. Là, qu'est-ce qui reste là? Il reste plus rien. Trois composants. Ok. T'es parti les chercher. Non, t'es parti. Oui, t'es parti les chercher. Là. Et voilà. Alors on est fini, oui, on n'a plus rien. Est-ce que j'ai un peu peur qu'elle ne la rate. Voilà. Non, ça va, elle n'a pas raté. Donc on est bien à l'intérieur cette fois-ci. Nous avons assez de jus pour tout le monde. Libellule, tu es parti manger une ration de survie. C'est parfait pour moi. Donc, la température 41 degrés. La température ici, on va la laisser à 21. Vingt et un, tous les deux. Donc 37, 34, 35, 44, 42. Tu veux des défenses. Tu as besoin de manger, Jean. Grizzly. Tu es comment, Grizzly? Non, c'est pas long. On va stopper ça. Grizzly, tu vas. T'es intellectuel aussi, toi, un petit peu. Hein. Donc, on va enlever ta zone. Tu vas plutôt me construire un petit mur ici. Ici. Grizzly, tu viens ici. Comme ça, tu es à l'intérieur. 30 degrés, c'est bien. 21 degrés, c'est très bien aussi. Relaxation sociale, ok. Alors donc, toi, chauve, tu es revenu parmi nous. Alors, est-ce que sevrage du make-up, moins 35.
Sevrage d'ambroisie, mince. Dans le noir, ok. Repoussé par libellule, bien entendu. Il nous faut drap maintenant. Le problème, c'est que ça, c'est bientôt foutu, mais c'est pas grave. Toi, t'es pas encore mort non plus. Le bois, important, le bois. Dès que je peux, 93%. Donc, il me faut une nouvelle chaise. Donc, on va réinstaller ça ici. Alors, est-ce qu'on pourrait descendre vers 10 degrés? Je ne pense pas. On va être obligé de bouffer ce truc, hein. On a un jour 3 encore pour faire ça. Un jour 3 pour faire ça. Mais on n'a pas assez de bois. Donc, le problème, c'est qu'on va vraiment perdre beaucoup. Ça, c'est bon. On va déplacer les lits. Donc ça, on va le supprimer. Et on va mettre une copie, on va les mettre ici. Voilà, on va mettre les 3 là. Donc toi, je te démolis. Grizzly, tu es occupé de te relaxer en te laisse. Toi, tu me fais quoi? Tu prends une ration de survie, mais tu viens de manger. Donc tu vas apporter la chaise. Grizzly, tu es parti me faire quoi? Construire un toit. Architecte. La zone de la base est comment? Ok. À toi là, ouais, ça ne me dérange pas, c'est pas très important. Ok. Tu vas faire quoi? Tu veux semer? C'est pas le moment pour le moment de semer, il fait un peu trop chaud encore. D'autres que 58 degrés, non, ça pousse pour le moment. Donc on va te laisser faire. Grizzly, c'est toi qui as la meilleure agriculture? Ok. Ok, alors, chauffe. Relaxation, pas trop ça. Par contre, tu es intellectuel plus ici, donc tu as 13 points, donc tu vas gagner un petit peu de relaxation en même temps, en faisant ton bidule ici. Malheureusement, ta manipulation n'est qu'à 22%. Donc, t'as pas trop le choix. Il faut... Bon. Quelle heure est-il? Il est 8h. Donc on va te mettre en temps libre. Et voilà. Il te faut ça. Ça va être important pour nous. Toi, comment est-ce que tu tiens le coup? C'est bon.
faire partie bouffée. Ok, il va te falloir une chaise supplémentaire. On va peut-être d'abord nettoyer, je crois, un petit peu ici. Tu vas d'abord nettoyer, Grizzly. Grizzly, je vais te mettre en nettoyage. Alors, le nettoyage, c'est ici, Grizzly. Je te mets en 1 pour l'instant, pour que tu nettoies tout ça proprement. La zone base est comme ça, c'est parfait pour moi. Ok, vas-y, nettoie un peu tout ça. Ok, alors là tu veux jouer un peu au fer cheval, c'est bon. Ok, donc on a un petit peu avancé, un petit peu plus avancé. J'ai besoin que tu me déplaces, que tu me fasses. On va mettre tout ceci par ici. Comme ceci. Et puis tu vas me faire une copie. Voilà, comme ça on a assez de middle. Alors Grizzly, on va un petit peu modifier ta période de travail maintenant. On va mettre du temps libre. Toute la journée. Et là, libellule, là. Alors, il faudrait que ça soit un petit peu plus joli. Pour que ça soit un petit peu plus joli, on va pas pouvoir faire grand chose pour l'instant. Déjà, fais un petit peu ton travail. Ok. Ah, t'as essayé avec Grizzly, t'as essayé avec Libellule, maintenant t'as essayé avec Grizzly. T'es en rut, mon petit le chauve. Alors Grizzly, 30 ans, c'est déjà un peu mieux avec Grizzly, hein. Alors est-ce que ça a marché ta petite drague là, hein? Hop, hop, hop. Le chauve a charmé Libellule. Grizzly, on est un agent, s'est recroquevillé à cause d'une insolation. Oui, ça c'était plus loin. Il a poursuivi Grizzly en comparant Grizzly à un soleil enfumé. Grizzly a à peine répondu. Bon, malheureusement, ça marche pas pour toi. Ce qui veut dire que tu te reprends en plus repoussé par Grizzly. Mais tu tiens le coup. Tu tiens le coup. Tu tiens le coup parce que tu as attente extrêmement faible, ça va, et que ton travail t'intéresse. Tu es très confortable, heureusement. Et ça, c'est parce que tu as une chaise métal normale. Donc dès qu'on a fini l'autre chaise, on va commencer à faire des pieux. On va commencer à faire des pieux un petit peu plus corrects. Ouais. On va faire des pieux un peu plus corrects. Donc celui-là, je vais déjà le virer. Et on va faire des pieux. On va faire des pieux. Un lit en métal. Voilà. Combien ça coûte, ça? Un lit en métal? 45, hein? Ok. Donc j'ai besoin que nous fassions miner ceci et miner celui-ci aussi. Grizzly. 73, hein, c'est beaucoup. Hein.
Ok, bon, on va peut-être y arriver, hein. Ok, c'est parti. Transporter de l'acier. Bien. Vingt et un degrés, c'est bon. Toi, t'as encore un jour. Donc, on va construire à l'extérieur un lieu de dépeçage. On n'aura pas trop le choix. On va le mettre ici. Hein. Comme ça ne sera pas trop dégueulasse. Voilà. S'en fout, c'est pour la vitesse. Hein. Donc, ici, à l'extérieur, ça ne changera que la vitesse. Ici, par contre, malheureusement, si on regarde, vitesse de recherche. Propriété de la salle, bon, elle est presque propre. Mais, donc on est à 74%, et en plus, lui, si vous regardez bien, il n'a que 23%, ce qui veut dire qu'actuellement, il a une vitesse de recherche de 115%. Normalement, il a 100, 158, plus 20% parce qu'il est. Il est stressé, enfin il n'est pas stressé, il est névrosé. Mais la manipulation, donc on multiplie ceci par 22%, parce qu'il n'y a que 50% d'importance, heureusement. Ce qu'il perd ici, hein, la manipulation de 22% au lieu de 100%, mais elle ne coûte que de 50%. Donc ça veut dire qu'on perd que 11, que 78%, donc divisé par 2, 35, 39% à peu près, ou 37%, 39%. Mais bon, j'ai besoin de ça, la recherche, elle avance un tout petit peu quand même. Si nous regardons Numbers, et on va regarder là les chercheurs ici, la vitesse de recherche, si ça ne va pas, on mettra Libellule après, hein, quand l'autre diminuera encore un petit peu plus, on mettra Libellule. Libellule, où en es-tu, ma biche? Elle se repose bien, la petite, c'est parfait. Ouh, mais ça avance vite, ça. Il y a en métal, il n'a plus que deux, ça c'est bien ça. Qu'est-ce qu'il nous reste encore? 15. On a encore besoin d'aller chercher un petit peu plus de métaux. Alors, est-ce que nous avons des métaux ici au-dessus? Est-ce qu'on en a encore? On va aller les chercher, hein, ce qui reste. Ok, Grizzly, après tu viens. Bah. Par contre, Grizzly, tu vas. Qui est-ce qui a le chapeau? C'est Libellule. On en verra. Libellule ne peut pas aller chercher les trucs. Donc, Libellule, elle va après, elle mangera le chapeau. Toi, finis ça. Tu vas maintenant enlever ton chapeau. Plus besoin de ça. Le manteau de tissu, tu le gardes. Tout le reste, tu gardes. Ok, ça, tu vas faire comme ceci. Là, pour où sont passés. Ah oui, je vais peut-être enlever le plafond. C'est pas beau comme ça. Ça, on va l'agrandir. Jusqu'ici. Grizzly. Là, tu pousses pas. Il y a des moments où tu pousses. Hein. Mur à 6, 2. Mur à 5, 3. Donc pour l'instant, mon ami, tu vas plutôt venir me chercher. Est-ce que j'ai besoin d'aller chercher du métal? Viens me chercher le métal et le métal. Ta santé est parfaite. Ok. Chauve. Tu as quoi comme matériel? Toi, tu vas descendre. Si je t'enlève. Ça, déjà. Que je t'enlève ton t-shirt. Ton bonnet. Il sert à rien non plus, ton bonnet. C'est parce que les assignations. On va un petit peu modifier tout ça.
Donc, comme je le disais, on va prendre une nouvelle tenue, on va prendre chaleur, pas nouvelle tenue, on va dire chaleur. Corset, on avait vu. On avait une chemise en volant, oui. Manteau. Pantalon. Pour le moment, on est obligé, on n'a pas trop le choix. Chemise, t-shirt. Il est où le t-shirt? Il est là. Voilà, on va vous laisser ce que vous avez normalement. Et le bonnet, vous n'avez pas besoin, ça sert à rien. Ok, et donc je veux mettre chaleur partout. Voilà, chaleur, normalement Grizzly, tu vas pouvoir transporter. Grizzly, tu me faisais quoi? Ça non, tu gardes. Le manteau, tu me le gardes. Donc Grizzly, puisque tu vas aller dehors, tu vas me porter ça et ça. Toi, t'es pas à poil. Bon, à poil, c'est pas une bonne idée du tout. Tu es nu, donc ça ne va pas. Tu vas me prendre ça. Pantalon. Chemise à volant. Le corset. Prends-moi déjà tout ça. Ok. Toi. Comment es-tu habillé? Tu as un t-shirt, un manteau. Tu vas aussi te prendre pas une veste. Je voudrais un pantalon. Ouh, tu es parti dormir un petit peu. Ouais, pourquoi pas. Soit, tu me fais quoi? T'es ok. Alors, agrandir un tout petit peu la zone. Toujours que du vêtement. Donc on a ça, ça et la veste royale en tissu. Pantalon, corset, chemise. Tu ne te sens plus tout nu. Tu ne te sens porter des vêtements femelles. Ah! Pas de corset. Stop. Ensuite, une veste royale. Ça, tu vas la prendre. Voilà. Toi, t'as quoi? Tu as manteau, t-shirt. Est-ce que tu sens que tu es à poil? Tu n'es pas à poil, mais c'est parfait. Chauffe. C'est fait, tu vas juste vite me faire ça. Je te transporte. Comme ça, on voit un peu plus clair. Toi, tu veux partir ton chapeau. Toi, comment es-tu habillé? Tu es chemise, corset. Le parka, tu l'enlèves. Voilà. On va mettre le parka là. Libellule. Tu vas pas enlever ton corset. Libellule. Chaleur. Corset. Tu as le droit d'en porter un. Pourquoi est-ce que tu veux retirer ton corset, libellule? Libellule, chaleur,
chaleur. D'accord. On va laisser ça ouvert. Vêtements nobles. Veste royale, on va l'autoriser. Ou pantalon, t-shirt, veste. Voilà, donc le corset est dedans. Libellule pour le moment. Qu'est-ce que tu vas me faire de joli, ma chérie? Tu vas venir ici. Voilà. Parfait. Donc là, on a un lit normal, malheureusement. Il n'est que normal. Et on a un deuxième corset ici. Donc, Grizzly, tu vas pouvoir rajouter un corset en plus. Mais avec le shift. Ici. Ok, ton humeur va remonter un petit peu au-dessus. Ouf. Ouf. Donc, Grizzly, après, tu mettras ça, puis tu mettras ça. Et tu iras dehors. Donc, quelle température fait-il? 21 degrés. Ici, 21 h, on est encore bon. Ok, tu me fais quoi, Libellule? Tu retires ton pantalon, pourquoi t'es à poil? Pourquoi es-tu à poil? Pas trop le choix, je suis obligé de. Je te force ça, le pantalon. Jean, tu manges une ration de survie. Chemise en volant, veste royale, pantalon. Libellule, oui, et puis la chemise en volant. Ok. Donc, logiquement, ok, tu vas manger une ration de survie avec ton copain, oui. Mais je voudrais d'abord que tu ranges. Tu peux pas. Ok. Vous allez manger tous les deux à votre aise. Les médicaments soient, ben bien sûr. La démence majeure, c'est pour le chauve. Il a son humeur qui va tomber à zéro. Alors, il va avoir mangé. Stop. Alors, Grizzly. Tu vas te lever, tu vas laisser ton pieu, tu vas prendre ceci, plus le chapeau, et puis tu vas, oui, on va faire ça, tâche, ajouter une tâche, dépecer une créature qu'on va mettre en boucle. Qui est-ce qui fait la cuisine. Qui est-ce qui fait la cuisine? On va refermer ceci comme ça, je vois plus clair maintenant. La cuisine, c'est Grizzly, donc c'est parfait. Tu vas me faire la cuisine dès que tu peux, mec. Jean, tu vas venir dormir dans ce lit-ci. Voilà. Jean, voilà. On va dormir là. C'est parfait. Alors, toi, tu es occupé de planter, tu ne me déranges pas trop.
Là, il fait 23 degrés. Donc, toi, tu me fais quoi? Tu nettoies la saleté, c'est une bonne idée. Tu peux continuer à nettoyer un petit peu et tu vas dépecer la créature. Ok. Malheureusement, on perd pas mal de bidules. Alors, le chauve, on est où? Ok. Non, ça c'est l'autre. Moi, je ne suis pas en bon état du tout, du tout, du tout, du tout. Par contre, je vais récupérer un petit peu de points de confortable. On va en descendre un. Hein? Donc, toi, on va te laisser à 21, toi, on va te mettre à 22. On va regarder si on va pouvoir le faire mettre en énergie basse. Coup de chaleur pour qui? Pour Libellule. Ok, stop Libellule, tu reviens ici à l'intérieur. Terminé. Ok, Grizzly, tu as fait ton travail. Tu viens ici et tu vas me faire un frigo. Donc je veux les cadavres, mais je veux également les aliments crus. Ok, Grizzly, tu vas transporter la viande d'iguane. Ici, je vais également mettre le cuir. Le problème, c'est que ça, c'est pas très joli. Donc, on va faire une petite zone de stockage. On va faire comme ceci. Mais pas ici. On va supprimer une zone ici. On va supprimer ça. On va faire une zone de stockage qu'on va positionner là. Ici et ici. Dans laquelle je vais mettre. On va prendre ça, on va copier les paramètres, on vient ici, on colle les paramètres et on rajoute le cuir. On va rajouter le textile. Voilà. Comme ça. Et donc celle-ci, on va la supprimer. Bon. Petit à petit, on y arrive. Hein. Toi, alors, tu as 15 de métal. Okay. Tu transportes la viande et puis après tu vas semer la zone. Ok, c'est bon. Même si ça pousse pas, ça pousse par petits moments. Hein. Ça pousse par petits morceaux. 6.2, mais on en aura besoin de tout ça. On en aura besoin. On en aura besoin. Jean, comment te sens-tu? Ça diminue encore. Hein. Qu'est-ce que je pourrais te donner? L'environnement. 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 Alors, c'est à cause de ça. Ok. Donc, toi, tu viens transporter l'acier. Alors, c'est déjà mieux. Ensuite, tu as un moins 16 ici. Pourquoi est-ce que tu as un moins 16 ici? Moins 4, moins 4, moins 4, ok. Ensuite, tu vas aller manger ration de survie. Déjà? Putain, vous arrêtez de pas de bouffer, les gars. Pour le moment, tu vas pas manger. Tu vas transporter.
Ici, c'est quoi? Prioriser, nettoie la saleté. Ok, ensuite tu vas transporter la parka. Transporter la parka, transporter la parka, transporter le bidulla. Ok. Et ensuite, tu vas me transporter l'acier. Ok. Libellule. Tu sèmes des plants de patates. Est-ce que tu tiendras le coup? Santé, pour le moment, ça va. Quand j'aurai le coup de chaleur, ben, je descendrai. Ensuite, grizzly, tu vas me nettoyer les gravats. Et puis après, tu iras manger. Donc, la température 23, 21. Je vais devoir descendre la température ici. Donc là, on a encore un jour 9. On va essayer de descendre cette température de 10 degrés pour arriver à une température de moins 8 degrés. Moins 7. Ah, pardon, de 7 degrés. Ce qui devrait peut-être. Ça, je vais te fermer. Voilà. Ensuite, on va supprimer ceci et on va créer une copie ici. Alright. Libellule. Tu fais celle-là et puis tu viens ici. Donc, libellule, tu vas passer en 2. Ouais. Donc, libellule, tu fais ça. Ça devrait passer normalement. Voilà, elle va rechercher. Bien. On va peut-être y arriver. Hein. Alors, où est-ce que je suis au niveau de la salle? J'ai encore un moins 16. Toi, tu es occupé de nettoyer. Ok. Tu nettoies. Ok. Donc, notre salle maintenant, qui est ici, est un dortoir de le chauve. Le dortoir est laid, il a une propreté de moins 0,14, c'est pas trop mal, il est assez spacieux et une splendeur de 16, il est horrible. On a besoin d'augmenter un tout petit peu sa beauté, pas beaucoup, mais on a besoin de l'augmenter un tout petit peu. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça? Il ne manque pas beaucoup, il ne manque pas vraiment beaucoup. Encore un petit moins 4 là. On est toujours horrible. C'est dur, hein, de... Ok, 9,14, malheureusement. Mais quand tu vas avoir un lit, tu vas améliorer. Ok, ça devient un petit peu mieux. Malheureusement, c'est encore un lit normal, tout simplement. On va encore virer celui-là. Et tu vas me refaire un autre lit. Donc ça, tu vas me le copier. Je voudrais bien que tu me fasses un lit, un superbe lit. Voilà. Alors, 38 et 12, 30 et 12, 42, il manque un petit peu. C'est pas grave, tant pis. Grizzly, tu vas, bien entendu, il n'y a plus de jus. Super. Ma viande, elle tient le coup, je suppose. Pour ira dans un jour 8. Et toi, tu n'es pas encore mort. Ça va. Par contre, il ne pond pas. Hein. S'il n'a plus rien à bouffer, il ne pond pas. Pas arrivé. Tu vas aller me chercher un petit peu de métal, mon ami. Grizzly, tu vas aller me chercher un petit peu de métal. Alors, le plus proche métal que je puisse trouver, il est ici.
Donc tu vas vite me faire ceci d'abord. Ou bien tu vas ici, tu viens ici, mec. Non, là il fait pas assez clair, hein. Si 50% c'est bon. Chrisni. Priorise ça. Ok. Comme ça tu auras assez de. Ok. Tu me fais quoi? Tu nettoies saleté. Oui. 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 Allez, dis-moi que on va y arriver, hein? Fais-moi un beau petit lit, mon ami, s'il te plaît. C'est quoi? Normal. Normal. J'ai vraiment pas de chance, hein, mes lits normaux, là. Tout normal. Bon, ah, quand même une bonne chaise. Et chaise normale. Bon, où en est-on ici? On est toujours horrible. On est toujours horrible. On est toujours horrible. 19. Ah, 19. Et il va commencer à faire chaud. 35, 38. Toujours pas de jus, hein. Alors, je suis assez spacieuse, on va continuer à grandir un petit peu, alors je n'ai pas trop le choix. Alors, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux faire un peu le sol, mais je ne vais pas gagner des tonnes. Horrible ou pas, maintenant ça a pu changer les tonnes. Par contre, on va aller déposer ça dehors. Chauve, tu es de nouveau vivant. Toi, tu vas stopper ça. On va te remettre en 3 ici. Pardon. Oui, 3. Tu fais ce que tu veux. Chauve, tu vas aller faire un petit peu de recherche. Grizzly, tu dors. Mais avant d'aller dormir, tu vas me transporter acier. Transporter acier et nettoyer la saleté. Où est-ce que tu vas de la saleté? Là-bas. Voilà, maintenant tu peux dormir. Bien. Quel est le meilleur des lits? Je crois qu'ils sont tous normaux. Hein. Donc on a dans le babin, donc on s'en fout un petit peu. Ils vont être n'importe comment. Toi, tu continues. 80% de la vitesse normale, ça c'est bien. Ça pousse, mais pas vite, bien entendu. En plus, on est en pleine nuit, donc ça change pas des tonnes. Ça, c'est un sol rocailleux. Donc, on va faire une petite astuce ici. Je vais. Bon, ça va mettre un peu de saleté, mais j'ai pas le choix. On va faire une zone agricole ici. Comme ça. Je vais y mettre
C'est lesquels? C'est les roses, c'est du rhénanie. Et le lys, c'est 4 jours et demi. On va mettre des roses. Ou du lys. On va mettre du lys. Des roses. 7 jours et demi, les roses. Ouais, on va mettre du lys. Et on va demander à Libellule après de venir me faire ça. Voilà. Alors, coup de chaleur, c'est qui a ça? Ça tombe bien, c'est pour elle. Donc, on va pas, de toute façon, on ne sait pas y faire grand-chose. Toi, tu vas manger. Alors, on va améliorer un petit peu la beauté de ceci. Puisqu'il fait. Le lys n'a besoin que de, si vous regardez les roses, le lys, etc., vous avez besoin de 30% de lumière. D'accord? Et 30% de lumière, on les a. On les a, les 30% de lumière. On en a 50. Et donc, si on regarde maintenant, vous voyez, 17 de beauté ici. Et donc, dès le moment où ça va pousser, enfin, même pas que ça pousse, hein, du moment que on a planté, c'est bon. Du moment qu'on a planté, c'est bon. Ça veut dire que maintenant, ma case ici, elle est plus que terne. La splendeur est terne. Et on va améliorer petit à petit, ça va venir. Ça va venir. Malheureusement, ça salit, hein, donc, enfin, c'est sale, c'est. Mais bon, on va perdre 1% ici, 2%, c'est pas des tonnes, c'est pas très très important. Tu manges. Oui, ben vas-y, mange. Et on avance petit à petit ici. Donc on est de toute façon dans la mauvaise température, hein, on ne peut pas y faire. Si ça vient, ça vient, ça va, la température devrait revenir. Nous sommes à 34, 33, ça diminue, ok, c'est bon, la température doit être bonne. Comment te sens-tu? Oui, j'aurais voulu que tu me fasses encore un petit peu de zone ici. On va améliorer un peu ça. Alors, psychotique, malheureusement. Psychotique. Alors, psychotique, c'est quoi? Psychotique, qu'est-ce que ça va lui donner? État mental psychotique. Si j'avais des médocs, je pourrais l'endormir. Malheureusement, là, je ne peux pas l'endormir. Tu vas taper ta copine, tu vas faire quoi? Ok, tu te promènes, c'est tout ce que tu fais. Ça va, jusque-là, c'est bon. Pas trop grave. Il faudrait que tu ailles dormir, ça serait parfait. Il faudrait que tu ailles dormir, ça serait parfait. Donc, notre salle commence à s'améliorer petit à petit. Libellule, tu dors déjà? Pas tout de suite. Continue à semer un petit peu la zone. Splendeur et médiocre. Donc maintenant, intérieur spacieux, confortable. On n'a plus. On a encore le dortoir horrible pour le moment. C'est parce que c'est 17h aussi. Il faut d'abord qu'il dorme pour que ça revienne correctement. On l'a laissé dormir un petit peu. Grizzly, t'en es où dans ton sommeil? T'es bientôt réparé. Okay. Grizzly, t'as une bonne agriculture, toi. On va laisser faire un petit peu, voir un peu ce que ça va nous donner, tout ça. La viande, on a encore bon. Toi, t'es pas encore mort, hein, bien entendu. Bientôt, tu seras mort, mais pour le moment, ça va. Malnutrition sévère. Pas grave, reste bien là. Alors, Grizzly, il a faim. Ok, il mange. Ok, tu fais quoi? Tu nettoies la saleté et puis tu vas faire quoi? Tu vas pas nettoyer la saleté, tu vas prioriser et tu vas me faire tout ça, mec.
Ça devrait pas être mal, tout ça. On a eu un zit. Où ça? Mais ça va, on a du jus, donc c'est bon, pour le moment ça passe. Notre salle va commencer à devenir beaucoup plus jolie. Parfait. Alors, comment est notre salle? Notre salle est décente et spacieuse. C'est excellent. Légèrement sale, mais c'est pas très grave. Donc, Libellule, quand elle se réveillera, elle aura un dortoir pas médiocre, elle aura quelque chose de mieux bientôt. Lui, quand il ira dormir, il faudrait d'ailleurs qu'il aille dormir le plus vite possible, ça serait très bien. Bon, alors, où est-ce qu'on en est? Recherche, il ne reste plus des tonnes, hein? Libellule. Grizzly, tu es intellectuel un petit peu quand même. Bien, ben, nettoie la saleté là. Et puis, tu vas me faire quoi? Tu vas me faire quoi, mon ami? On a combien de viandes? On a 16 viandes. Production. On peut faire une cuisinière électrique qu'on va positionner où? Ici. On va créer quelques ordres de ménage. Faire comme ça, Grizzly. Voilà, bah. Je ne fais quoi? Ouais, pourquoi pas. Maintenant, tu vas les miner, je suppose, non? Tu vas pas miner tout de suite. Tu vas aller continuer à semer la zone. Il fait un peu trop chaud. Fais-moi ça. Dommage qu'il n'y a pas de lumière, mais on fera avec, hein. Allez, le chaud, remets-toi en forme. Degrés. 21 degrés, ça passe. Qu'est-ce que tu vas foutre là-bas? Mais qu'est-ce que tu vas foutre là-bas? Malheureusement, c'est pas une bonne idée. Ok. Ok, alors on vérifie notre zone de base qui est toujours correcte. Bien, ben, pour le moment, on est obligé de rester comme ceci en attendant de pouvoir aller plus profondément dans la montagne. On va continuer à laisser ceci. J'ai quand même besoin qu'on fasse. Bon, je voulais me faire quelque chose, c'est mettre. Une cuisinière électrique. On va plutôt la mettre ici, la cuisinière électrique. Voilà. Voilà, l'autre il commence à mourir là, c'est bien.
Par contre, je ne l'ai peut-être pas mis au bon endroit, parce que... Oui, je ne l'ai pas mis au bon endroit. Donc on va faire ordre, miner, ici et ici. Toi, tu vas manger, je suppose. Ok, donc toi, est-ce que tu peux te déplacer? Je pense, en plus, on va pouvoir la déplacer. Libellule, tu me fais quoi? Tu sèves la zone, je voudrais que tu me mines ardoise ici. Toi, tu vas la désinstaller. Voilà. Et tu vas miner l'ardoise. Ok, toi ma biche, pour le moment, tu ne vas pas trop semer les zones. 56, ça pousse quand même. Hein. Mais tu n'as que 2 pour le moment. Tu vas... celui-ci, on va l'installer ici. Voilà. On va... agrandir la zone là et là. On a un, donc ça fait 1, 2, 3, 4. Donc on va accepter également la bouffe, les aliments. Donc on va mettre ceci. Comme ceci, on va dire que nous ne voulons plus cette zone. Nous allons demander à Grizzly de transporter les rations de survie. Tu me poses ça là. Tu transportes les rations de survie. Tu vas continuer à transporter les rations de survie. Et Libellule, tu vas repasser en 2. Comme ça, dès que tu as fini, tu vas me terminer cette saloperie-là, parce que de long du jour, on est de nouveau ici. Coincé avec ce truc. J'ai maintenant besoin qu'on m'enlève ceci. Est-ce que tu prends les gravats? Tu prends les gravats maintenant. Ok. Ensuite, Libellule est occupée de terminer cette petite recherche. Il nous faut absolument cette batterie. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'intelligent maintenant? Il faut que je fasse la viande. Maintenant, dans 24 heures, on a encore un petit peu le temps. Donc, on va pour l'instant désactiver ceci. Voilà. Grizzly, tu nettoies la saleté, c'est bien, mais maintenant ça m'intéresse un petit peu moins. Je vais plutôt avoir besoin que tu me fasses de nouveau. On a besoin de ça. Donc, Grizzly, par contre, tu pourrais faire de l'agriculture, mais on va te laisser un peu faire ce que tu sens. Où est passé Libellule? Oui, Libellule, elle travaille, ok. Ok, Jean Le Chauve est parti enfin se reposer. Enfin, parce qu'il est complètement à zéro ici. Il s'est ramassé des repoussés. Tu vas enfin... Alors, t'es plégé à l'intérieur, oui. Ça, tu iras un petit peu dehors après. Hein. Ça, c'est pas grave. Toi, ma biche, sanguin. Bonus de base de trait sanguin. C'était quoi, ça? Le trait sanguin. Révulsé, joyeux.
Boubelle. Je sais pas. Toi, tu es comment? Tu es pas génial, génial non plus. Parce que tu es dans le noir, tu as un noir, ok. Mais tout ça va venir. Ça va revenir. Vous allez vous sentir bien. Là, tu es dehors, donc tu n'auras plus ton petit pépin. Par contre, Libellule, elle va continuer à perdre un petit peu. Mais c'est pas important. J'ai plus besoin de ceci qu'autre chose. Toi, tu fais bien tout ce que tu dois faire. Tu me fais quoi d'ailleurs? Tu te balades. Non, tu ne vas pas te balader pour l'instant. Oui, si, tu peux te balader. Le seul problème, c'est que ça dure longtemps, la balade. Et donc, je préfère que tu. Ouais, bon, c'est ma zone, voilà. Tiens. Fais comme tu le sens. Alors, un coup de chaleur, c'est pour qui? Pour Libellule. Il fait 42 degrés, ça va, j'ai pas le choix de toute façon. Alors, c'est qui au fait? Le cuistot, c'est donc Disney, hein? Non, mais préféré. Donc, toutes les nuits, on l'a dans le baba. En électricité. Mais on a bientôt fini ça. Et ça, c'est hyper important. Grizzly, tu me fais quoi là? Tu nettoies d'un saleté nouveau. Ok, tu vas me faire ça. Je vais avoir besoin d'un peu plus de métal, je pense. Bon, il n'a pas tapé sur tout le monde, c'est déjà pas mal. Libellule, elle fait, elle a une relaxation sociale. On ne va pas lui permettre de faire de la relaxation sociale. On va la pousser un petit peu dehors. On va la mettre ici. Même si elle est un peu chaud. On va la laisser un peu récupérer dans le noir, tu vois. On va lui dire, tiens, viens me faire un peu ça d'ailleurs. Là. On peut gagner quelques petits bidules comme ça. Voilà. Tu en fais 3-4 et puis tu reviendras travailler à la recherche. Ok, toi, tu vas maintenant transporter tout ça. Que ça reste propre. Ok, Libellule, tu reviens là. C'est exactement ce que je voulais. Tu fais un toit. Est-ce que. Oui, c'est toujours parfait. La base. Zone. Ici. On commence à avoir un peu de jus. Tu vas jouer un petit peu, ok, tu as bien travaillé, tu peux. Ça, on a 17 heures. Un colon a besoin d'aide, malheureusement. Ben oui. Secourir, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Voilà, tu nettoies, vous permet de fabriquer. Ok, stop. Ça, c'était la chose ouf. Donc, enfin, on peut mettre une batterie. Alors, une batterie énergie, on va mettre une batterie. Alors, où est-ce que nous allons placer notre batterie? Pas à l'intérieur, on va la mettre ici à l'extérieur. Comme ceci. Non. Est-ce que je vais la mettre ici. Là. Un conduit ici. Un toit ici.
comme ceci. Ça, je ne veux plus. Grizzly. Tu vas nourrir le chauve. T'as intérêt d'aller nourrir le chauve, c'est une bonne idée. Mais il me faut vite fait que tu me fasses ça après. Est-ce qu'on est dans la zone? Non, on n'est pas dans la zone. On va travailler comme ceci. On va ajouter ça. Et donc, batterie pain. Chance, toi, mec. Ah, t'as eu à manger pourtant. Démence extrême. Hein. Ok, ton humeur devrait revenir. Grâce à une catharsis. Ouf. Salle à manger décente, intérieur spacieux, très confortable. Dortoir décent. Et la chaleur, on est... Ça, toi, t'as un pépin. D'accord. T'es bloqué par un plafond. Merde. Ok. Stop. Annulé. Plafond, on va les enlever, bien entendu. J'ai oublié ça. Donc, étendre la zone à... ciel ouvert. Donc, toi, tu fais tout. Donc, ok. Donc, oui, zone à ciel ouvert, comme ça. Toi, tu fais supprimer. On va mettre notre batterie. On va mettre notre batterie. On va la mettre ici. Ouais, on va la mettre ici. On va démolir ça. Et on va en faire une copie. Ici. Ok. Alors. Ici, j'ai encore un toit. Apporte batterie. Allez, on travaille, les gars. On continue. Là, tu iras nettoyer après. Mais il me faut un toit. L'iguane est mort, on n'en a rien à cirer, c'est pas grave. Par contre, on va augmenter la zone. Tant pis, elle sera là pour l'instant. Toi, on va te laisser encore pendant 2 jours et demi, c'est parfait. Et on a besoin d'un toit. On a besoin d'un toit ici au-dessus. Comme ça. Comme ça. Voilà. Grizzly. Ok.
Est-ce qu'on charge? Est-ce qu'on charge? C'est ça qui m'importe le plus. Je ne crois pas qu'on charge. Donc, j'ai encore besoin de construire une copie ici. Ok, on charge. Ça y est, chouf. Recherche suivante. Je voudrais avoir des panneaux solaires ou bien l'énergie géothermique. Mais 3200, je veux d'abord un panneau solaire. Le panneau solaire me donne 1000, ce qui veut dire qu'il me fait mes deux trucs pendant la journée. Comme ça, je suis sûr. On recherche ça. Voilà. Le chauve commence à récupérer un tout petit peu. Ça devrait venir. Heureusement, il a une catharsis. Combien de temps elle dure, la catharsis? Elle dure 3 jours. Yes, yes, yes. 3 jours. 3 jours. Le wake-up, il en a pour encore un bon bout de temps. L'ambroisie va être finie. Bon, c'est pas très grave, ça, mais ici, il y en a encore pour pas mal de temps. Bon. Tout ça, c'est bon. On va fermer le toit, comme ça on voit clair. Notre zone ici n'est pas mal du tout. Elle est pas mal du tout, pour le moment. Grizzly, tu vas jouer un petit peu au fer à cheval. Est-ce que tu es encore dans le noir? Non, tu n'es plus dans le noir. Donc ton extérieur est bon ici. Tu vas avoir besoin de te... Oui. La beauté va être sympa. Le plaisir, tu en as besoin. Le repos, tu vas avoir besoin de tout. Libellule, tu me fais quoi? Libellule, tu as besoin d'être dans... il est 6h du matin, d'être à l'extérieur, ça va être bien. Pas trop là quand même. T'as très chaud. T'as une insolation légère, mais ça va aller très vite maintenant, hein. Le reste ici, ça va commencer à aller beaucoup plus vite. Ok, on part, on va laisser faire un petit peu pour l'instant. Ok, tu rentres à l'intérieur et tu vas faire un peu de recherche, c'est parfait, tu parles avec ta copine. Eh bien jusque là, oh le chauve qui est revenu, tu vas manger un morceau. Ok, parfait. Allez, tu vas où comme ça? Tu vas pas semer une zone? Non, 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 ça, tu ne vas certainement pas faire. Tu dois, par contre, tu es dans le noir. Non, on s'en fout. Tu as besoin de l'extérieur non plus. Tu as besoin de plaisir. Tu vas venir ici. Tu vas venir ici. Tu vas faire un peu de recherche. Je vais remettre 3 à la petite ici. Voilà. Et toi, tu vas faire de la recherche. Même si elle ne va pas être terrible, ta recherche. Hein. Mais au moins, 14h, ça va. Grizzly, après tu vas me faire... Ah, on va pouvoir rouvrir ici. Reconnecter. Pas reconnecter, on va faire ça. Grizzly, après tu vas me... Voilà. Et puis, on va faire un petit billet de plat simple, parce qu'on n'a pas d'autre possibilité. Et je n'ai même pas besoin de dire quoi que ce soit. J'ai que de la viande, de toute façon. Voilà. Ça, pour le moment, on va... Oui, on va ensuite transporter l'iguane. Voilà. Et je pense qu'on devrait avoir le cactus qui devrait être bientôt 99%, on y est presque. Libellule, ok, elle est en pleine forme, ça va.
Ok, Gris, tu es parti dormir un petit peu, mon ami. Ouais, t'as bien raison. T'as bien raison. Dommage que j'ai mis le truc ici et ça là. On aurait pu avoir deux petites places de. Ça, c'est pas grave. On va d'ailleurs déplacer ça ici. Et on va réinstaller à. On va tourner là. Et toi, on va te réinstaller à là. Comme ça, je pourrais. J'ai une petite case en plus. Ici. On va agrandir la zone. Jusque-là. Mais on ne peut pas encore. Ok. Libellule, tu fais quoi? Ok, transporte, bien. Risque de démence mineure. Alors toi, risque de démence mineure pour libellule, tu rigoles ou quoi? Non, c'est. Donc ça, on s'en fout. L'aurore polaire, elle est fuite depuis longtemps. Le chauve et la bande des gones, c'est fait. Donc, on est à 7 degrés, c'est suffisant pour l'instant. Ok. Toi, tu te remplis, hein. Là, il n'y a pas besoin d'interrupteur. Puisqu'il n'y en a qu'une. Jusqu'ici, je voulais agrandir la zone. Et donc, on va demander à Libellule de continuer et de revenir ici. Voilà. Donc, je dis, c'est pas grave, t'as perdu un petit point, c'est pas important. Merci mademoiselle Libellule, vous avez été très aimable. Nous commençons à avoir quelque chose de sympathique ici. Splendeur légèrement impressionnante. Ça devient bon. La chaleur 21 degrés, ici nous avons 10 degrés, donc c'est juste ce qu'il me fallait. Si on veut augmenter un petit peu, on pourrait faire le sol et poncer les murs. Et comme je disais, c'est pas un endroit qui est spécialisé pour rester comme ça pour le moment. Bon, ça se remplit. Ça se remplit. On devrait bientôt avoir quelqu'un qui va venir. On est trois. On va avoir un crash un de ces jours. Je voudrais commencer à créer maintenant des pierres. J'aurais besoin de pierres. Mais je ne vais pas les mettre ici, dans ce truc-ci. Parce que. Donc on va creuser. On va ordre, on va miner, on va continuer à miner un petit peu. Déjà, on va miner ça et on va miner tout ça de toute façon. On va reprendre la zone de base. On va l'agrandir un peu. Ok. On va laisser faire. Libellule. Elle est pas mal, hein, en bonne santé, là, elle est bien. Ça diminue un petit peu, mais ça devrait se faire petit à petit. Jean, tu reviens dans ta vie, mec. Regardez-moi ça, un coup de chaleur. C'est pour qui le coup de chaleur? C'est pour elle, hein, je suppose. Ok, donc tu reviens, t'as fini dehors.
Hop, tu reviens, c'est bien, tu vas te reposer, c'est parfait. C'est justement le bon moment pour faire ça. La viande ici dans 8 heures, elle est toujours bonne. Toi, dans 2 jours, c'est parfait. Dis-toi, après, tu feras, quand tu te réveilles, tu vas manger. Quand tu te réveilles, tu iras manger. Ensuite, tu me feras ça. Voilà. Parfait. 8 heures, on est un peu pépère. Ça devrait bien se faire. Alors, où est-ce qu'on est? On va donner un nom à la colonie. Et on va donner un nom à notre faction. Alors, la faction, c'est... Eh bien, je ne sais pas. On va arrêter un petit peu ici. Et on gardera avec notre ami. On prendra un clone de ce que notre ami Snan aura fait. Voilà.